Vincennes, dont les courses sont en meilleure forme hein, cet hiver. Les résistances du titre du groupe industriel cèdent et les nouveaux objectifs sont confirmés. Là aussi, alors là, je vous en ai parlé, je pense, il y a 2 semaines où je vous indiquais que la valeur était en train de tester vraiment une zone clé, qu'elle dessinait, donc on était aux prémices d'une configuration chartiste, là aussi d'une configuration en double creux, mais qu'elle était en train de bloquer sur une double zone de résistance, donc une oblique et une horizontale, et qu'au cas où elle viendrait à s'affranchir de cette double zone de résistance, à ce moment-là, on pourrait espérer avoir une accélération. Et en cas de cassure de la zone des 36, à ce moment-là, nous aurions un objectif largement supérieur autour des 42 euros dans les mois à venir. Donc, ben, très clairement, ce dont je vous avais parlé est en train de se mettre en place, et même plus, puisque en ce moment même, la valeur gagne près de 2% et est au-dessus des 36 euros. Donc, autrement dit, on est en train de valider ce signal supplémentaire qui pourrait la conduire vraiment 17-18% au-dessus des niveaux actuels. Donc positif sur le titre. Là aussi, toujours avoir une invalidation. Je vous rappelle qu'on ne joue jamais en bourse et que l'on gère sans risque. Donc avoir une invalidation sous les 33-33,60 pour vraiment sécuriser la position. Voilà.